Let's get it, let's go. It's about that time for me to shine. I got dreams, I got goals, and real soon they're all gonna be mine. Fresh and dressed early in the morning, glance in the mirror and I'm feeling the view. I got a big day, big plans, big chance. It's time to take them big boy steps in advance. We got people to see, things to do, places to go and something to say. I hope you're listening. Let's get it, let's go. It's about that time for me to shine. I got dreams, I got goals, and real soon they're all gonna be mine. See, I'm sweet on my feet and I'm nice with my rhymes. I'm always on point, but I'm rarely on time. And today me and my crew got a date with fate. I stay fly, so I'm fashionably late. What's up? Let's get it, let's go. It's about that time for me to shine. I got dreams, I got goals, real soon they're all gonna be mine. Applaudissons la chorale de l'église d'Osorne, dirigée par Madame Angela Howell. Vous êtes prêts? Alors donner le meilleur de vous-même. Regardez bien droit devant vous et surtout, vous n'oubliez pas de suivre le tempo. Le menton, mais souris un peu. Les enfants, bravo! Aujourd'hui, nous avons également un groupe que vous connaissez. Je ne vous présente plus la chorale de Crossroads qui a gagné de nombreux prix. Je vous demanderai de patienter un peu et d'attendre les Bellevue Boys. Leur chorale est la prochaine à chanter sur cette scène. Donc, si vous voulez bien, nous allons profiter de ce répit. Bingo! Oh, bon, eh bien, il semblerait que nous soyons pressés par le temps. Passons donc promptement aux choses sérieuses. Je crois que tout le monde ici est au courant de l'importance de ce concert, car les deux meilleures chorales gagneront une place pour le prochain concours national, où ils auront une chance de gagner le grand prix des chorales et un chèque de 10 000 dollars. Bonne chance à tous! J'appelle la chorale de Crossroads. C'est à vous. Come.
Come the fount of every blessing, 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 come to sing my heart, to sing my praise, to sing my praise, to sing streams of mercy, streams of mercy, streams of mercy, streams of mercy, come the loudest songs, the loudest praise, of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, some are flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed up on it. Praise his name, I'm fixed up on it. Praise his name, I'm fixed up on it. Praise the name of God's redeeming love. Praise his name, I'm fixed up on it. Bellevue Boys ne peuvent pas venir, ils ont été empoisonnés. Quoi ? C'est vrai ? Je vais l'annoncer. Allez-y. Je vais le dire à tout le monde. J'ai une bien mauvaise nouvelle à vous apprendre, messieurs, dames. Les Bellevue Boys ont un petit problème. Et ils ne pourront pas nous rejoindre pour ce concours, car il semblerait que, ce midi, la chorale ait mangé quelque chose de mauvais. Ils souffrent tous d'intoxication alimentaire. Les œufs de leur salade n'étaient pas frais. C'est une situation sans précédent pour nous, et nous sommes obligés d'improviser. Alors, nous nous sommes mis d'accord avec le jury, et nous avons pris la décision de nommer la chorale d'Ossorne et la chorale de Crossroads gagnants de notre concours et candidats au concours national. Bravo aux deux gagnants. Moi non plus, j'y crois pas. Je vous remercie tous pour votre présence. À bientôt. Oh, depuis le temps qu'on attend ça, c'est super. On a bien chanté. On peut dire merci aux œufs pas frais. C'est génial. C'est pas normal. C'est clair, on bosse comme des dingues et ces clowns nous suivent au concours national. L'important, c'est que vous y soyez. Le concours est dans un mois, vous allez voir, c'est très court. Oui, je pensais à un chant à deux fois. Oui, mais alors pas entière, c'est trop ringard. Hé, hey, bien joué. Ignore ces ringards, Savannah. Encore. Oh. Bye. Bon, ça te dirait une impro? Ça fait trop le faire. Allez, fais-nous un beat, fais-nous un beat. Ouais, ok, fais-nous d'accord. Ouais, je me lance. Ouais, c'est Trevor qui vous fait le beat. Donne-moi un thème. Ouais. Bouge des goûts. Ok, ok, t'as gagné. J'attends. Ouais. J'entends rien. Là, comme tu me vois dans la rue, je ne vaux pas mieux qu'une bouche d'égout. Sauf que j'ai la rime dans le sang, c'est fou. Je crache des mots comme une bombe lacrymo. J'ai pas l'argent pour me payer un manteau. Je bosse dur, je me crève, je me casse le dos. Soldat, je serai pareil que mon père quand je serai grand. Mais ça sera quand? Et même s'il manque beaucoup, il sauve son pays des loups. Alors je serai brave, tout comme mon père qui en bave. Et les rimes sortent de ma bouche. Oh, oh, très fort, ouais, ça le très fait. Fort, je m'inquiète. Ouais, t'es le meilleur en improzac. Okay. Non, sérieux, c'était cool. Ouais. T'as des nouvelles de ton père? Il va bien, je viens tout juste de recevoir un email. Encore deux semaines avant qu'il revienne en permission. Ah, cool. Ah, c'est bien qu'il revienne. Ouais. Hé, hey, Andrea, tu te lances? Ouais, vas-y, lance-toi, fais-nous voir ce que t'as dans le ventre. Ok, ok, refais-moi un beat. Go. Ok. Hey, yo. Yo. Un thème. La chorale de Crossroads. Bien trouvé. Ouais. Ok. Ah ouais, je l'ai. Vas-y. Crossroads sont des minables, ils chantent comme des crabes, ils... dans leur cartable. Oh, chouette. Mais... c'était classe. Je me suis donné à fond, arrête de te moquer. Ah, c'était trop drôle. Ah vraiment, je te jure, c'était pas foulé. Merci pour cet humble repas. Et donne à ceux qui en ont besoin et fais que papa rentre vite à la maison. Oui. Amen. Amen. Amen.
Plus que 2 semaines avant que papa rentre, pas vrai? Oui, c'est ça. Ça va aller vite. Est-ce que tu Devine sais... qui... Oh, vas-y, toi, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, tu te souviens du concours de chorale, je t'en avais parlé. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'était comment? C'était marrant. On a gagné, on va au concours national. Oh, Zach, c'est super, c'est chouette, je suis si contente pour toi. J'ai oublié de venir, oh Zach, j'aurais voulu être là. C'est pas grave, viens au concours national, ce sera plus sympa. Ah, oh, d'accord, mais raconte-moi tout. Mais bon, toi, tu voulais dire quoi? Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire à tous les deux, mais surtout ne vous en faites pas, ce n'est pas grave et ça va aller. Aujourd'hui, il se trouve que j'ai perdu mon travail. L'hôpital manque de financement et ils ont renvoyé plusieurs infirmières et je fais partie du nombre. Je suis désolée, maman. Tu vas trouver un nouveau travail? Évidemment que oui, Jake, mais ça demande du temps et il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi en ce moment. C'est pas grave, on va s'en sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? En fait, j'ai autre chose à vous annoncer. On va devoir aller vivre chez votre tante pendant quelque temps jusqu'à ce que je retrouve un travail. Donc, on va déménager? Ouais. Et il faut qu'on change d'école? Oui. J'ai parlé avec Janet et elle, elle dit que... Il faut plus d'une heure pour se rendre chez elle, maman. Écoute ce que j'ai à dire. J'ai parlé à tante Janet et nous t'avons inscrit dans une école. Tu te fiches de moi? Depuis quand je suis inscrit là-bas? Je savais que je pouvais perdre mon travail et je me suis préparée à l'avance. J'ai fait ça pour vous. Et puis, vous allez voir, ce n'est pas si mal. Pour toi peut-être, mais t'as pensé à mes amis, à la chorale? Ce n'est facile pour personne, alors arrête. Tout ira bien. Faites-moi confiance. Si papa était là, on déménagerait pas. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu parles. Zach. Bonjour, Zach. Salut. Toi, t'as pas l'air dans ton assiette. C'est les cours, t'as un examen? Non. C'est à cause de ma mère. Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui te tracasse? Je déménage. C'est nouveau, ça, depuis quand? Ma mère a perdu son job, alors va falloir qu'on bouge. Quand? Dans une semaine. Et en plus, elle m'a déjà inscrit dans une autre école. Ah, oh. J'arrive pas à le croire. Je peux pas croire que tu nous laisses. Mais le groupe, qu'est-ce qui devient? Ils s'en moquent. Ah, oh, quand je pense qu'on devait aller au concours national. Je suis vraiment désolée pour toi, mais tu peux pas nous laisser tomber comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu te débrouilles. Sans toi, jamais on va gagner. J'y peux rien, va falloir y arriver sans moi. Ah ouais. Franchement, tu me déçois. One minute, do you think that I want it this way? Gotta leave my friends, ditch my plans, back and move away. I thought that you would hold me down. I see now it's all about you. Oh. Wait a second, boy, you're not gonna turn this around on me. When you're the one skipping town right before we finally get the chance to go to States, guess that ain't important to you. Oh,
that, she out the hood now, and you're moving on up to the east side, right? What? It ain't like that, believe me. I gotta relocate, Dre. You got it easy. I gotta pull it together without you. Yeah, well, I gotta take on something brand new. You must be blind if you can't see the pressure this puts on me. If you can, you wouldn't walk away. And if you didn't wanna leave, then you would try to stay. You can't understand what I'm going through till you step in my shoes. Faut qu'on trouve notre truc pour nous démarquer des autres. Par exemple, on pourrait se trouver un costume. Bonjour, je peux vous renseigner ? Bonjour, Zachary. Ah oui, le nouvel élève, bienvenue. Vous tombez bien, on met en place des binômes aujourd'hui. On était un nombre impair, mais avec vous, ça va aller. Jeunes gens, j'aimerais avoir votre attention pleine et entière, s'il vous plaît. Allez, cessez vos bavardages. C'est aujourd'hui que commencent les cours de cuisine. Vous allez vous mettre en équipe. Voyons un peu, il y aura Jason avec Ryan. Mettez-vous à la première table. Robin et George, table 2, et Savannah et le nouveau, Zachary, table 3. Et Sadie et Doug, table 4. Je pense à mon idée de costume, on en reparle plus tard. Salut. Ça va ? Je m'appelle Savannah. Zachary. Je vous propose pour notre premier cours la page 43. Quelle surprise nous attend, page 43. C'est un dessert. Il nous faut 300 grammes de beurre pour commencer. La moitié. Dans le plat. Désolé. C'est rien. Essuie-toi. Merci. Ensuite, il faut 2 œufs. Les œufs sont juste là. Oh, attends, non. Non. Quoi ? En fait, quand tu casses de cette façon, il y a la coquille qui tombe dedans. Il faut que tu le tapes. Et ça s'ouvre d'un seul coup. Merci, chef. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te moques de moi ? Oh, mais non, au contraire, c'était un compliment. Ce que je voulais dire, c'est... T'es au conseil de classe, le club d'échecs, la chorale, et les œufs. Oui, eh bien, si tu penses que tu peux mieux faire, vas-y. À toi les commandes, patron. D'accord. 300 grammes de sucre. Je peux le faire. Ça va, je sais combien ça fait. Je gère. Et ensuite ? Zachary, bienvenue. Il y a une place de libre là-bas, va t'asseoir. Eh, quelque chose me dit que je t'ai déjà vu. Ouais, moi aussi, je t'ai déjà vu. Par quelle conjoncture à paramètres variables as-tu atterri dans ma classe ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? T'inquiète, il se moque de toi. Très bien. Tout le monde est prêt ? Alors bonjour. Nous accueillons un nouvel élève, Zachary. J'espère que vous l'aiderez à s'intégrer et que vous lui expliquerez ce que nous avons fait depuis le début. Nous n'avons pas assez de manuels pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut bien partager avec lui ? Moi, je veux bien. Sans problème. Merci. La dernière fois, nous avons vu le mythe de la tour de Babel.
Aujourd'hui, nous allons lire les questions qui sont dans le manuel et y répondre ensemble. Vous trouverez les questions à la page... Page 42. Merci, Miles. Page 42 jusqu'à 45. Voyons, page 42, tu dis... Ah oui, c'est bien ça, page 42. Quoi? Et jeter à l'œil. De quoi est-ce que tu parles? Si tu crois que tu peux venir ici pour espionner notre chorale, bien, tu te gourres. Je viens d'emménager et votre chorale est nulle. Oui, c'est exactement ce qu'un espion dirait. Lâche-le, Miles. Messieurs, j'en déduis que si vous parlez, vous êtes prêts à répondre aux questions. Tante Jeannette. Salut, Zach. Salut. Ça va bien? Alors, tu te plais ici? J'ai rien contre toi, on est bien ici, mais à l'école, j'ai un peu plus de mal. Ben, il n'y a pas un truc qui te plairait? Ils n'ont pas une chorale ici? Jamais j'irai dans leur chorale. Et pourquoi ça, Zach? Ben, parce qu'ils savent pas chanter. N'exagère pas, ils ne sont pas si mauvais. Oh que si, très mauvais. Ah bon? À ce point-là? Et il n'y a pas autre chose qui te plairait? Les cours, ça va? La plupart du temps, je m'ennuie. Oh. Sauf peut-être en cours de cuisine. Ben voilà, c'est un bon début. Il est arrivé quelque chose? L'armée vient d'appeler. Ton père n'aura pas de permission avant au moins 6 mois. Viens par ici, Anita. Ça va aller, tu verras. Allez. Laissez-moi encore 2 semaines. Bien sûr, et je comprends tout à fait votre point de vue, mais 10 000 $, c'est une très grosse somme d'argent. Cette école ne...
Écoutez, vous savez que je ne vous ai jamais menti. Je me suis fait un point d'honneur à trouver les fonds pour qu'on puisse toujours accueillir nos élèves. Je ne dispose pas de cette somme immédiatement, mais je suis certaine que si vous me laissez encore 2 semaines, je trouverai une solution, je vous le promets. Vous aurez l'argent qui manque. Au revoir et merci. Ça va, Madame Howell? Oui, oui, ça va. C'est sûr? Vous aviez l'air inquiète au téléphone. Non, ce n'est rien de très grave. Et puis, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Je m'en charge, alors surtout ne t'en fais pas. Ton travail à toi, c'est de nous préparer un incroyable spectacle pour le concours national. Ouais. Si vous avez quelques minutes, je voudrais vous proposer quelques idées. Zach étant parti, on va devoir penser à autre chose. C'est toi qui vas diriger les autres? Exact. Il n'y a personne d'autre qui se sent à la hauteur de le faire. Je suis sûre que tu vas les mener jusqu'au podium. Vas-y, dis-moi à quoi tu as pensé. Regardez. Tu vas bien, Savannah? Oui, papa. Tu travailles sur quoi? Je révise pour mon examen de sciences nat. Et toi, tu fais quoi? Oh, tu sais, je fais rien, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Je dois me lever tôt demain, donc je crois que je vais aller me coucher. Tu veux que je t'aide à réviser? Tu peux m'interroger, ça te dérange pas? Pas du tout. J'ai fini cette page et on peut y aller. D'accord. Tu n'es pas fatiguée à courir dans tous les sens. En plus, maintenant, tu es chef de chœur, tu ne t'arrêtes jamais. Dis-moi, tu n'as pas trop de mal pour gérer toutes ces choses? Non, ça va. Tu es sûre? Non, parce que si un jour tu te sens trop débordée, tu peux faire comme ta mère faisait. Elle faisait quoi? Elle prenait un chewing-gum et le mâchait en pensant à ses problèmes. Puis elle faisait une énorme bulle. Oui. À ce moment-là, elle se mettait à prier, elle appelait Dieu et elle disait « Seigneur, faites que cette bulle emporte tous mes soucis. » Elle se représentait ses problèmes et son stress et elle les mettait dans cette bulle. Puis elle la faisait exploser. Plus de soucis. Je ne savais pas qu'elle faisait ça. Eh oui, et ça marchait bien. Bon, on commence? Prenons un sujet intéressant. Les étapes de la mitose. Interphase, prophase, métaphase. Télophase, anaphase? Presque. C'est anaphase puis télophase. J'inverse tout le temps ces deux-là, ça m'énerve. C'est pas grave. Tu peux trouver un moyen mnémotechnique. Du genre, interphase commence par un I. On peut dire il. Prophase, P. Il partage. Métaphase, c'est meringue. Il partage, c'est meringue. Je vois. Et tu complètes interphase, la phrase. Interphase, il partage. Métaphase, c'est meringue. Acidulé et tendre. Interphase, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Il partage, c'est meringue, acidulé et tendre. Ben, tu vois. Ça marche. Bien joué. On peut passer à la deuxième question. Voyons. Les propriétés... Interphase, il partage ses meringues acidulées et tendres. Il partage ses meringues. Il... Oh. Ah, oups, désolé. Il partage ses meringues? Non, c'est pas ce que tu crois. En fait, c'est parce que j'ai pas... Ah. Oublie, c'est rien. Il faut commencer par écrire les messages. Ok. Je sais pas quoi écrire. Ne vous inquiétez pas, les premiers que vous ferez ne ressembleront sûrement pas à un Fortune Cookie. Ils auront peut-être plus une forme qui s'apparente à une géode. Une géode? Voilà, donc ça y est, on peut commencer à cuisiner. Je suis prêt. 2 blancs d'œufs, je te les laisse. Je suis la reine. Et surtout, pas de coquilles, je te prie. Très marrant. Oh. Non, raté. Ça fait rien, ça fait rien. Tiens. Zachary. Oui.
Je t'ai vu chanter au concours. T'étais dans la chorale dans ton ancienne école et je m'étais dit que tu pourrais, si ça t'intéresse, participer à notre chorale. Je ne pense pas, non. Pourquoi ? Je préfère continuer de chanter avec Osorne. C'est comme tu veux. Si tu changes d'avis, tu m'appelles ? Ok, d'accord. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Jeune homme, casquette. Merci. Bien, qui veut présenter son exposé en premier ? Miles, évidemment. La scène, le dernier repas du Christ, fut peinte par le brillant Leonardo da Vinci. Et c'était une commande du duc Ludovico Sforza et sa femme, la duchesse Béatrice d'Este. Ce tableau représente la réaction des apôtres quand Jésus dit qu'une personne parmi eux le trahirait. Chaque apôtre se reconnaît par sa réaction. Si l'on observe la toile de plus près, on voit que l'homme le plus à gauche, malgré tous les efforts fournis pour restaurer cette toile, en 1517, des fêlures firent leur apparition... Miles, je vais être obligé de t'interrompre. Mais Madame Stewart, je viens à peine de finir l'introduction. Je sais, tu as fait un excellent travail, comme toujours. Merci beaucoup. Zachary, tu nous présentes ce que tu as fait ? Je n'ai pas d'exposé. Tu n'as pas fait le devoir demandé ? Non. Zachary, je t'avais pourtant prévenu de ce qui se passait quand on ne rend pas ses devoirs. Tu resteras en colle avec moi après les cours. Madame Stewart, attendez, on est le premier du mois aujourd'hui. Vous n'oubliez pas votre réunion à l'université ? Ah, si. La salle de chant a besoin d'être nettoyée. Zachary pourrait s'en charger ? Non, non, autant que je vienne en colle demain. Non, Zachary, c'est une très bonne idée. Tu iras nettoyer la salle après les cours. Tu vois, tu chantes le pont à la tierce et ça marche. On enchaîne sur la coda. Ah. Bonsoir, Zachary. Bon, qu'est-ce qui a besoin d'être lavé ? Tu peux laver le tableau, il y a du produit et une éponge, tout ce dont tu as besoin. Bon, alors, on part à la quatrième mesure. Pardon ? Ah, Zach, je te présente Margaret. Quoi ? Oh, ah, pardon, désolée. Oh. Bonjour, au fait. Bonjour. Bon, alors, voilà. Bon, bah, on va essayer. À moins... Ah oui, j'ai une autre idée pour le refrain. Tiens, t'as changé d'avis à ce que je vois ? Non, c'est non, parce que tu... Non. Je me suis arrangé avec Madame Stewart. Suis de corvée de nettoyage parce que j'ai pas fait un devoir. Bon, alors. D'accord. Bon, on se met en place. Prenez vos classeurs. On va répéter. Miles, la chanson du concours. Et tout de suite. Comme ça. Le tableau est lavé, alors je... Tu voudrais pas rester quelques minutes pour nous donner un coup de main, s'il te plaît ? Ça changerait rien. Ce qu'il vous faut, c'est un miracle. Allô, Zach ? Ça va, Andrea ? Ouais, j'ai pas trop le temps de te parler. Je prépare le concours et c'est vraiment chaud. Ah, d'accord. Désolée, il faut vraiment que je te laisse. Bye. Mais... Lee las palabras. Y por último, escribe las respuestas. Sigue el modelo.
le fait pas du tout. Avec Zach, ça le faisait beaucoup mieux. Lui, il pouvait nous faire swinguer. Sauf qu'il a déménagé. Va falloir qu'on se débrouille sans lui. Ok, je disais ça comme ça. Ça y est, on peut continuer la répétition. Il y a encore du boulot, on recommence. 1, 2, 3, 4. Ok, on fait une pause de 5 minutes. C'était bien aujourd'hui, bien mieux. Salut. Salut. Tu nous rejoins pour la chorale ? Oh non, j'étais à côté. Ah, d'accord. Tu joues de l'harmonica. Quoi ? Non, à peine. Et si, je t'ai entendu, tu devrais t'en servir. Tu crois ? Bonjour, Zach. Salut. Tu crois que pour le concours, je pourrais jouer de l'harmonica ? Oh, j'ai dit ça comme ça, c'était juste une suggestion. Ça marcherait, tu penses ? Je sais pas, vous pourriez tenter un truc différent. Je crois qu'on sait ce qu'on a à faire. Pardon, mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est clair. À ton avis, on devrait faire quoi ? J'en sais rien, c'est à vous de trouver vos idées. Tout conseil est bon à prendre, si tu pouvais nous guider un petit peu. Ben, en fait, ce qu'on faisait avec mon ancienne chorale, c'est qu'on s'appropriait les chansons. Comment ça ? En fait, c'est on sert de la partition pour exprimer nos sentiments. Au final, la chanson nous appartient. La musique, c'est pas un truc qui s'apprend, c'est du pur ressenti. Ce n'est pas le point de vue de Beethoven. Listen to me, y'all. You gotta do your own thing. Cause that's the only way people are gonna hear you. You know what I'm saying? Listen. I got a song way down in my spirit. I gotta let it out. It sounds so good, I want the whole world to hear it. It makes me wanna shout. Talk to you for me. It's okay to have some fun when you're singing. It's only natural. Don't ever forget that God is the reason. And sing it from your soul. Just as long as the message doesn't change, we can still have a good time. To go ahead and let your light shine. See, I can feel it all in my hands. And I can feel it all in my feet. I just can't help myself. Cause it's all over me. Charlie, play that thing for me one time. Miles, please play them keys. Afraid to step out of your shell. And Savannah, let me hear you sing. Hey ho. I think I need a break. Everybody say I feel it.
compris ce que je voulais dire. C'est fou, on n'a jamais si bien chanté. C'est génial. Donc, tu penses rejoindre notre chorale? Peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, pourquoi tu refuserais? J'ai encore besoin de réfléchir. Je ne voudrais pas être impoli, mais on ne peut pas accepter n'importe qui. Je pensais qu'on était en démocratie participative. Pour qu'il entre, on doit voter. Si Zachary accepte de rejoindre notre chorale, alors il est le bienvenu. Qui vote pour? Moi. Bon, bienvenue, Zachary. Bon travail. Ah. On va s'arrêter là. Même heure demain, ça vous va? Ouais. Cool. À demain. À demain. Bon. Salut, mec. Bye. Excuse-moi pour tout à l'heure, Trevor. Non, non, c'est cool. C'est normal, on est tous sur les nerfs. Le truc, c'est que je suis sûre qu'on peut gagner. Seulement, ça va demander du temps et de l'énergie. Salut, les gars. Zach. Ah, t'es revenu, Trevor. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je passais dans le coin. Ah. Pourquoi t'es venu qu'après la répète? T'aurais pu nous aider, vieux. En fait, je sors d'une répétition. De quoi tu parles? J'aide la chorale de Crossroads à se préparer pour le concours national. Non. Quoi? Tu donnes un coup de main à ces clowns? Dis pas que t'as fait ça, c'est pas vrai. Ils sont pas si mauvais. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Tu fais partie de leur chorale, on n'a plus rien à se dire, alors va-t'en. J'y suis allé pour la première fois aujourd'hui, et ça me manque de faire partie d'un groupe. Tu parles. Mais avant d'être à la hauteur, ils ont du pain sur la planche. J'en ai plus rien à faire, t'es dans le camp ennemi. Ils ont pas le niveau, t'as pas à t'en faire. Ben si, vu que t'es avec eux. On dirait que tu veux me faire passer pour un traître. C'est toi qui le dis. Elle a pas tort, tu nous laisses tomber. C'est pas ce que vous croyez. Moi, je crois ce que je vois. Bye. Tu viens, Trevor? À plus tard. Andrea, attends-moi. Non, je vais la coller. Donne-la-moi. Colle celle-là, si tu veux. D'accord, d'accord. C'est moi qui colle. Qu'est-ce qui se passe? C'est Zachary, il rejoint notre chorale. Et voilà, c'est comme l'Empire romain, nous allons connaître la chute de la chorale. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est très risqué d'opérer des changements si drastiques à ce stade de la compétition. Et on n'a pas écarté la possibilité que ce soit un espion. Arrête, tu fais tout de travers, il faut pas faire comme ça. Miles, on doit travailler en équipe, d'accord? Je m'en vais. On n'est pas à la chorale, Savannah. Tu n'es pas la patronne. D'ailleurs, je tiens à te préciser que même à la chorale, c'est pas toi la patronne. T'es chef de chœur, c'est tout. T'as pigé? Tu dois arrêter d'être aussi buté et de te prendre la tête, Miles. Tu sais, le changement, ça peut parfois être bénéfique. Oh, tu es madame, je sais tout, c'est ça. C'est moi, Savannah. Je suis parfaite, belle, intelligente et merveilleuse. Je suis Miles, je gêne, me plains tout le temps. I'm the preacher's little girl and my choir's gonna sing. If I pound the piano louder, then they'll never hear a thing. My conservative styling graces every key. You might fool the others, but you can't fool.
Zachary, s'il te plaît. Tu viendras me voir avant de partir. Zachary, oh, je tiens à te remercier pour tout le temps que tu investis dans la chorale. Ton dévouement à notre cause me va droit au cœur. Il n'y a pas de quoi. Je me dis que ça doit être dur pour toi quand même. Tu es tellement débordé par les répétitions, ce n'est pas évident de trouver le temps de réviser. Mais c'est grand ce que tu fais. On se voit tout à l'heure. Ciao. Je voudrais te parler de tes résultats. Je sais que c'est dur d'être nouveau. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Tu dois faire un effort. Je sais, Madame Stewart. Je vais travailler plus dur. Ne prends pas ça à la légère. Si tu veux réussir, tu dois t'y prendre maintenant. J'ai compris le message. Je ferai un effort. Ce n'est pas suffisant. J'attends beaucoup plus de ta part qu'une simple promesse. C'est pour ça que je vais employer les grands moyens. Si tu n'obtiens pas au moins un B au prochain contrôle, tu ne seras plus autorisée à participer à la chorale. Vous êtes sérieuse ? On ne peut plus sérieuse, car c'est la seule façon de te convaincre. Je compte sur toi. Oh, Zachary, salut. Ça va ? Ça va, et toi ? Je vais aller. Est-ce que t'es sûr que ça va ? Ouais, ouais, ça roule, je t'assure. Oh, d'accord. C'est bien. Papa ! J'arrive. Voilà, j'arrive. Oui, chérie ? Encore ! Quoi encore ? Tu sais toujours pas que ça, ça se lave à 30 ? Je suis désolé. J'ai plus rien à me mettre. Je ne suis pas expert en machine à laver. Ça va, oublie. Pardonne-moi, Savannah. Avant, ça, ça n'arrivait jamais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire avec maman ? Oui, mais ça change rien, le mal est déjà fait. Tu sais, c'est aussi dur pour toi que pour moi. Et je suis désolé d'avoir rétréci ton pull. Mais je fais de mon mieux, dehors. Est-ce que tu m'entends ? Va-t'en, je veux plus te voir dans ma chambre. Ta mère te manque ? Elle me manque à moi aussi. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, mais le seul non, moyen... Non, tu comprends absolument rien. C'était ma mère. Peut-être que je ne comprends rien. Mais tu pourrais m'aider, Savannah. Aide-moi à comprendre. Chaque fois que je veux lui parler, je me rends compte qu'elle n'est pas là. C'est un calvaire. Il est parfois difficile de savoir pourquoi Dieu nous impose de telles épreuves dans la vie. Ne roule pas des yeux et regarde-moi quand je te parle. Il a un plan pour toi. Et il a un plan pour moi aussi. Je suis sûre que c'est pas vrai. Tu as le droit d'être en colère. Mais le jour viendra où tu... Arrête de jouer les pasteurs, je suis ta fille, pas ta brebis. Un peu de respect, tu veux ? Papa, sors tout de suite de ma chambre. Savannah, je veux que tu sortes de ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, mardi, c'est le jour du tutorat. Oh, alors je ferais mieux de m'en aller. Non, tu pourrais rester une minute ou deux. Je vais pas donner des cours à un élève de première année. Pourquoi pas ? Ou alors tu devrais réviser, et si tu as besoin d'aide, je peux... Non, pas la peine. Zach, allez, assieds-toi. D'accord, c'est bon, t'as gagné. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va finir avec ça, parce qu'après j'ai des tas de trucs à faire. La citation des Proverbes, chapitre 27, verset 19. Ah, voilà, c'est là. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ouf, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ok, on va essayer de trouver ce que ça veut dire. Pour la première moitié, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Quand tu regardes un plan d'eau, tu y vois un reflet de ton visage. C'est facile. Avec la deuxième moitié, dis-moi pourquoi c'est la même chose. Ah oui, alors, elle parle aussi du reflet.
Quand tu sais ce que tu as dans le cœur, tu peux comprendre celui des autres. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, alors? Je crois que c'est... qu'au bout du compte, on est tous pareils. Et ce, malgré nos différences. Oui, c'est ça. Avec ça, Madame Stewart pourra jamais te virer de la chorale. Ah. Désolée. J'étais là, j'ai entendu ce qu'elle t'a dit l'autre jour. J'avais honte, je voulais pas le dire. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Moi, j'en suis sûre. Merci de m'avoir aidée. Je l'ai pas fait pour toi, c'était dans l'intérêt de la chorale. D'accord, je vois, ça a le mérite d'être honnête. Je vois ce que tu veux dire. Miles se rend ridicule à être aussi têtu. Mais à part ça, est-ce que tu te sens mieux ici? C'est pas si mal. Ici, ça va, mais c'est pas le cas avec mes amis de sort. Ils me voient comme un ennemi. Je ne m'attendais pas à ça. Mais, tu sais ce qu'on dit, il n'y a rien qui dure éternellement, c'est la vie. Ce qu'il faudrait faire, c'est toujours rester positif. Oui, enfin non, des fois, on a beau être positif, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il y avait une tragédie au pays de Savannah, ce serait un truc du genre, la chorale et le club d'échecs, sans oublier le conseil de classe, ne voulaient plus de son aide parce qu'elle est trop brillante. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Tu crois que tu es le seul à avoir des problèmes dans la vie? Tu parles. Tu ne connais rien de ma vie. J'ai ma petite idée. Je sais déjà que t'es la fille du pasteur, que t'es la première de la classe, que t'es inscrite dans tous les clubs, alors on ne peut pas dire que tu sois à plaindre. Sauf que ma mère est morte il y a quelques mois. Excuse-moi, je... C'est rien, tu pouvais pas savoir. Je suis pas sûr que ce soit vraiment pareil... Mais je sais ce que ça fait quand il te manque un parent. Mon père est militaire, il est à l'étranger, je sais pas s'il reviendra. Et je suis positif quand même. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas que quand je pense à ma mère, je sois triste. Ce que je voudrais, c'est quand même être heureuse et penser à elle. Tu as le droit d'avoir de la peine. Tu verras, c'est moins dur avec le temps. Merci d'être là pour moi. Je serai toujours là pour toi. Andrea, tu as su exploiter le potentiel de tout le monde. C'est un bon groupe. Vous êtes vraiment devenus très forts. Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a, Madame Howell? Je suis désolée. Comme vous le savez tous, ça a été une année très difficile pour l'école et nous sommes en manque d'argent. Et malgré tous nos efforts pour récolter des fonds, les caisses sont désespérément vides. Je suis à court d'idées et le temps nous manque. Il va falloir fermer l'école d'Osorn à la fin du mois. Quoi? Quoi? Non, on n'a pas le droit de la fermer. Où est-ce qu'on va répéter? Je suis désolée. Ils n'ont pas le droit, c'est injuste. On doit pouvoir faire quelque chose. Il y a les 10 000 dollars du concours national. Ouais, voilà. Oui, ce serait la meilleure solution, mais nous n'avons pas l'argent pour vous y envoyer. Et ce serait vous imposer beaucoup trop de pression. Je suis sûre qu'on peut gagner, j'en suis persuadée. Il y a forcément un truc, non? Mais j'ai déjà tout essayé. Ça fait des mois que j'essaie sans trouver de solution. Jamais je n'ai voulu ça. Alors, quand enfin on a l'occasion de prouver de quoi on est capable, ouais. Vous nous demandez d'abandonner au premier obstacle? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Je sais ce que vous ressentez. C'est injuste, vous n'avez rien fait. Mais sachez bien que ce n'est pas contre vous. Ouais, c'est ça. C'est toute l'école qui est touchée. Et vous n'êtes évidemment pas en cause. Vous ne voulez pas l'accepter. Je sais que c'est dur de renoncer à vos rêves. Andrea, reste là. Où est-ce que tu vas ? Je me casse ici. Ah, ça va. Let's get it, let's go. It's about that time for me to shine. I got dreams, I got goals, and real soon they're all gonna be mine.
fresh and dressed early in the morning. Glance in the mirror and I'm feeling the view. I got a big day, big plans, big chance. It's time to take them big boy steps and advance. Salut. Zach, ça a été l'examen? C'était juste un contrôle, ne t'en fais pas. J'ai eu un... à moi. Oh, c'est pas mais vrai si. J'ai couru, il faut que j'y aille. Moi aussi. On se retrouve après les cours? Ouais. D'accord, à bye. Tout à l'heure. Alors, c'est ici ton jardin secret? Ouais, j'adore cet endroit, c'est bien pour s'isoler du monde. La chorale s'en sort. Carrément, ils sont bons, et puis ils sont tous si gentils. Enfin, presque tous. Et plus que quelques répètes et je suis sûr qu'on va casser la baraque. Comme c'est mignon, Crossroad répète sur mon toit. Est-ce que je peux m'incruster? Ah, salut, Andrea. Osorn se débrouille très bien, c'est très gentil de demander. Ah mais non, attends. Cette chorale n'existe plus. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pendant que tu t'occupais de ta nouvelle chorale, ils ont fermé notre école. T'es sérieuse? Ouais. Plus d'école, plus de chorale et plus de concours national. T'as eu raison de t'en aller. J'ai pas envie de me battre avec toi. Mais non, faudrait surtout pas déranger ta petite vie si parfaite. Elle est loin d'être parfaite. Nouvelle chorale, nouveaux amis, une école qui a les moyens. Après tout, je m'en fous. Andrea, ne pars pas. Amour et unité. Prenez donc un petit instant pour penser au sens de ces deux mots. Que veulent-ils dire? Nous subissons tous des revers dans la vie. Nous traversons des épreuves. Et ces épreuves nous font nous demander pourquoi est-ce que nous souffrons tellement? Mais elles cachent en réalité des opportunités. L'opportunité de vivre une vie la plus honnête et la plus belle possible. Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, il est dit qu'il faut se revêtir de miséricorde. J'ajouterais qu'il faut se revêtir d'amour. Car c'est le lien parfait, un lien d'unité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet épître aux Colossiens. Vous pourrez vous servir de son message pour faire de vous des gens meilleurs et vous aider à vivre une vie meilleure. Cette épître n'est pas très difficile à comprendre. Il nous exhorte à la compassion, la gentillesse, l'humilité et la patience. Nous devons aider les autres et passer outre nos différences. Il tend à l'unité. C'est le but ultime. L'unité. L'amour et l'unité parmi les hommes. C'est la clé pour vivre au maximum de nos capacités. L'amour et l'unité. Dans la semaine qui vient, je vous mets au défi pour vous tous ici présents, dans cette église, de renforcer les liens. Crossroads et Osorn ensemble au concours? Les liens d'amour et d'unité dans votre vie. Je compte sur vous pour achever cet office. Nous allons entendre un chant interprété par notre jeune chorale. To me, save the
Bravo. Merci. Très beau sermon, merci. T'as bien chanté. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez entendu, ils sont aimés. Oui, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. La star du jour. Merci, papa. Pour quelle raison? Pour ton sermon. Il n'y a pas de quoi. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Et j'ajouterai que je suis très, 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 très fière de toi. Il faut que j'aille dire quelque chose à mes amis de la chorale, tu m'en veux pas? Pas du tout. Laisse ton vieux père tout seul. Ah ouais, vraiment, je crois que ça s'est bien passé. J'ai dans mon jardin un grand pommier. C'est pas mon des pépins et ça me fait... Ça me fait... Ça va. J'ai un trou, oh. Ah, c'est pas dire comment il m'en plus. Qu'est-ce que vous voulez? On a une idée et on a une proposition à vous faire. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ils sont tous là, eux? On pense que vous devriez être au concours national. Vous avez beaucoup de talent. On veut vous donner un coup de main. On voudrait vous intégrer à notre chorale. C'est interdit, ça, non? Vous pouvez pas? Non, Margaret a lu tout le règlement, c'est écrit nulle part qu'on ne peut pas. Explique-moi pourquoi j'aurais envie de venir avec vous. Parce que tu adores chanter et tu chantes comme personne. Et je sais ce que cette école représente pour toi. Ouais. C'est notre seule chance d'être au concours national. On n'a pas besoin de votre charité. Nous sommes bons et vous le savez, on n'a rien à vous prouver. Nous, on a besoin de votre aide. Vous êtes bons, c'est vrai. Mais on veut tous participer et on veut aussi que l'argent revienne à Osorn. On s'est beaucoup entraîné et on s'améliore. Ok, je vais bien. Je marche, les gars. Allez, vous venez? Oui, moi ouais. Aussi. On y va. Allez, Andrea. Super. Très bien, je suis prêt à admettre que ta voix pourrait peut-être nous aider. Vous savez que depuis le début, je suis pas d'accord. Mais Osorn a besoin d'aide. Moi, tout ce que je veux, c'est chanter. Alors? Tu nous rejoins? Ouais. Tout ce qu'on veut, c'est le premier prix. Alors, on est deux. Place-toi on ici. Va se placer du plus petit pas, au plus grand. Vous voyez? Ok. Où est passé Zach? Il va arriver, il est toujours en retard. Comme d'habitude. Oh, Andrea. Ta place à toi, c'est là. Très bien, écoutez, avant de commencer notre première répétition, on va faire quelques petits échauffements. Miles? La 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 Quoi? Non, rien, c'est bon. Ah. Oh. Bon, on va faire la même chose avec Mi. Miles? J'arrive pas à m'entendre à cause du piano. Et puis on entend qu'elle, forcément. Vu que toi, tu chantes rien. Je suis timide. Mais elle sait chanter, elle. Tu parles. C'est quoi ton problème? On t'a invité à chanter avec nous. Et on peut aussi te désinviter, entendu? C'est n'importe quoi. Ah, c'est naze. Je m'attendais pas à ça. Trop nul. Salut tout le monde. Je me casse. Tes vraies perles, tes nouveaux amis. On n'arrivera à rien du tout si t'écoutes pas ce qui est joué. Oh, dites-moi un peu ce qui se passe, là. Viens, on va discuter. C'est évident qu'ils veulent pas de nous ici. Je sais que ça demande des efforts, mais il faut que ça marche. Ah. Tu te souviens au début, quand on s'est rencontrés, tu croyais que t'étais la meilleure. Ah. Et je disais que c'était moi le meilleur. Et là, tu m'as dit que t'avais plus besoin de moi. Ah. C'est ça. Tu te souviens de la première chanson qu'on a chantée à deux? Celle qu'on a vraiment chantée à deux? Ouais. I've got a mission that I can't complete. Without you, I've got a dream that I'll never reach without.
attends. Et c'est ça, regarde. Un pas, tac, 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 tac. Il n'y a pas de boum boum. C'est un pas, tac, 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 tac. Facile. On va bientôt passer à table. Maman, regarde ça. Un pas, boum boum, ah ah. Waouh, Jack, quel danseur. Dis, tu veux bien aller mettre la table avec Janet? Ouais, d'accord. C'est gentil. Raconte, pas trop nerveux pour demain? On n'a pas eu beaucoup de temps pour répéter. Je suis contente de voir que tu t'investis à ce point. Viens ici. On va dîner, tu viens? J'arrive. Beethoven, c'est pas trop dur. Je te montrerai la partition. Oh, ok. D'accord. Bonjour, on est la chorale de Crossroads. Oui, bonjour, signez ici. On vous appellera quand ce sera votre tour. Merci. Il y a deux chorales qui doivent passer okay, avant nous. D'accord. Oh, non. Quoi? Par le télescope de Galilée. Qu'est-ce qu'il y a? La chorale du Grand Gospel. Ils ont gagné les trois derniers prix. Ils s'affichent partout avec, tellement ils en sont fiers. En tout cas, moi, j'ai pas peur d'eux. On est les meilleurs. Faites-moi confiance. Bravo, c'était magnifique. On applaudit bien fort la chorale de Fort Prix. Merci. À présent, j'accueille sur scène la chorale de Grand Gospel. Une ovation pour la chorale du Grand Gospel. À suivre, les chorales de Kingston et Osorn Crossroads. Osorn Crossroads, à vous dans 10 minutes. J'ai un petit truc à vérifier et je reviens. D'accord. Seigneur, faites que cette bulle emporte tous mes soucis. Thank you.
Donc c'est après le dos qu'on tape dans les mains. Ou bien c'est avant. J'sais moi, plus, j'ai là. Retenu après. T'es sûr de ton coup? Ah, je te revois là. C'est le moment. Plus que quelques minutes, on s'habille, on se prépare, on va mettre le feu. Et tiens, je voulais te donner ça. Un fortune cookie? Il doit être un peu sec depuis le temps. Tu vas recevoir un cookie et gagner le concours national haut la main. Oh, Zach. Tu veux pas le goûter? C'est vrai qu'il est sec. Excusez-moi. Pardon, je cherche la personne qui dirige cette chorale. Oui, quel est le problème? Miles, bien, je m'en charge. On m'a informé qu'il s'agissait d'une association de chorales. Oui, Crossroads et Hawthorne, on s'est réunis en une seule. Pardon, mais il est interdit que deux chorales chantent ensemble sur scène. C'est injuste envers les autres concurrents. Mais on a travaillé si dur, c'est très important pour chacun. Je ne peux pas, désolé. Je vous en prie, monsieur le juge. Le règlement, c'est le règlement. Hein? Qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là? Je l'ignore, je... Il faut faire quelque chose, c'est pas possible. C'est le juge qui décide, c'est tout. Y a rien non, qui ça va. Non, ça va pas. Margaret, c'est pas toi qui as dit que c'était dans le règlement? Pas la peine de l'accuser. J'ai tout lu, j'ai rien trouvé contre. Je m'attendais pas à ça. Je suis désolée, qu'est-ce que je peux dire? C'est terrible, mais on ne peut pas changer le règlement. T'es sérieuse, là? J'arrive pas à le croire. Pourquoi on s'est donné tant mal si c'est pour abandonner aussi vite? Oui, Andrea, tout à fait. D'accord, d'accord. Deux minutes, réfléchissons. Je pense que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? Ça a intérêt à être lumineux. Attends, écoute-la. Ce qu'on a fait est quelque chose d'extraordinaire. Deux chorales, composées de personnes aux caractères très différents, et nous nous sommes unis. Nous devrions servir d'exemple. Oui? Oui, c'est ça. Je vais chercher les autres. Je pense que ce qu'il faut dire au juge pour le convaincre, c'est qu'il faut... Bravo, mon pote, sympa. Excusez-moi, monsieur le juge. Oui? On voudrait vous parler. Entendu, mais faites vite. Vous devez traiter toutes les chorales de manière égale. En tant que juge, vous vous en faites le devoir. Vous administrez la justice, la pitié et la compassion. Mais c'est aussi ce que nous avons fait, en nous unissant. Dans l'adversité, nous avons voulu aider les autres. Nous n'avons jamais cherché à désavantager les autres groupes. Au contraire, on a insisté pour que nos concurrents nous rejoignent pour participer à ce concours. Chanter, c'est tout ce qu'on demande. Bien. Je ne peux toujours pas vous laisser participer à cause des autres équipes. Cependant, je n'aime pas non plus l'idée, en voyant à quel point vous êtes motivés, de vous en empêcher. C'est pourquoi vous ne pourrez pas gagner le premier prix, ni le titre national. Mais vous avez tout à fait le droit de chanter. Ouais. C'est génial, pas vrai? Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est génial, on a réussi. Et voici la dernière chorale de la soirée. En effet, il y a un petit changement de dernière minute. Parce qu'ils ont voulu chanter ensemble, l'interprétation de la chorale de Crossroads Hawthorne ne pourra pas être incluse dans la compétition. Mais nous sommes tout de même très heureux de les écouter. Les voici, la chorale de Crossroads Hawthorne. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When my portion, a constant friend.
and I know, yes I know, I know, you are chess, oh, oh, je vais voir mon père. Ah, ok. Attends, j'arrive. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Ah. Salut. Est-ce que c'est bon de te revoir, papa? T'as eu une permission? Tu vois, je suis rentré. C'était très bien, Vito. C'était magnifique. Ça vous a plu, c'est vrai? Je t'assure, j'avais du mal à en croire mes oreilles. Tout votre groupe était génial. Du pur bonheur. Bien, l'heure est venue de découvrir le grand gagnant, celui qui a remporté le premier prix de 10 000 dollars. Pour la quatrième année consécutive, la chorale du Grand Gospel. Je peux dire un mot? Bien sûr. Messieurs, dames, ce jeune homme a quelque chose à vous dire. Je voudrais remercier les juges de nous avoir donné ce prix. Mais nous pensons que nous devrions remettre le prix ainsi que le titre au vrai gagnant de ce concours, la chorale Crossroads Hawthorn. Désolé pour tout à l'heure. C'est génial ce que tu viens de faire. Pas de problème, vous le méritez vraiment. C'est cool, mais... Ils sont là, la chorale de Crossroads Hawthorn. Merci à tous d'être venus, on se retrouve l'année prochaine. Vous avez été fantastiques, les enfants. C'est pour votre école. Ça va la sauver. Vous l'avez sauvée. Merci. Merci. Oh, merci.